Je me présente d'abord, alors Hajir Gafsi. Je suis responsable commercial dans une multinationale Bolloré Transport et Logistique. Alors, ma première expérience, c'était la dernière fois au club, le dernier event. Franchement, c'était super, super, super agréable. D'ailleurs, ma présence et mon inscription pour le deuxième club des entrepreneurs. Franchement, c'était du bon monde. C'était un bon réseau de network. J'ai vraiment parlé avec pas mal de gens, très sympa. On a échangé pas mal de choses très intéressantes. Pas forcément dans mon domaine, mais c'était très, vraiment très constructif et très enrichissant. Voilà. Et voilà, c'est pour ça ma deuxième présence. Inch'Allah, comme la dernière fois, avec le brise-glace, avec la joie et la bonne humeur, avec la détente après le travail, la rencontre, beaucoup de social, beaucoup de network. Franchement, plein de bonnes choses. Bravo à toute l'équipe et voilà. Bonsoir, c'est Donia Hamouda. C'est la troisième fois que j'assiste au networking du Club des Entrepreneurs. J'ai trouvé ce concept très original et très intéressant. Parce que à la fois c'est convivial, mais en même temps ça nous permet de rencontrer d'autres entrepreneurs dans différents domaines et voilà, de faire connaissance, de partager nos expériences aussi. Je trouve ça génial. Bravo en tout cas pour ce concept. Je suis Walid Mokhrani, donc je travaille à l'UBCI Groupe BNP Paribas. Je suis dans le domaine bancaire. Donc je chapeaute une équipe de 50 personnes dans le domaine international. Donc je suis le responsable du service commercialisation à l'UBCI. Bon, j'ai découvert le networking à travers le club des entrepreneurs. Je trouve ça une excellente idée de la part de bon, je connais Slim Abseya, donc il m'a invité beaucoup de fois, donc je suis au club des entrepreneurs. C'est une chose très très bénéfique, c'est un échange entre plusieurs entités. Donc, compte tenu de mon activité, donc, ça m'a aidé beaucoup de trouver beaucoup d'opportunités avec les présents qui intègrent le groupe des entrepreneurs. Bonsoir, je m'appelle Asma Arsouna, je suis consultant coach en développement personnel. Alors cet événement, c'est vraiment pour moi quelque chose d'une surprise, à la fois je me lance. Je me lance dans la création de mon entreprise. Donc c'est parfait pour pouvoir rencontrer des gens justement et pouvoir commencer à créer mon propre réseau. Voilà, ce genre d'espace n'existe pas vraiment, en tout cas, et ma Smart TV. Donc c'est génial d'avoir Bazar, de trouver l'événement sur Facebook. Et puis voilà, c'est un plaisir de pouvoir rencontrer d'autres entrepreneurs et d'échanger ma barabna. Qui sait, des idées, voilà, des contacts, voilà. Peu importe, je suis là pour connaître des gens, donc je n'ai pas je n'ai pas d'a priori, voilà, je n'ai pas d'attente en particulier, c'est juste le partage. Voilà. Khaled Bousseta, affilié Technocasa Mutuelle Ville, c'est ma cinquième participation au Club des Entrepreneurs. Je trouve l'initiative réellement très intéressante, ça nous permet vraiment de rencontrer du monde de différents secteurs, avec différents backgrounds, différentes expérience. Donc ça donne une autre vue sur le monde de l'entrepreneuriat. Avant le club des entrepreneurs, j'étais vraiment concentré dans ma bulle d'agence immobilière. Aujourd'hui, ça me permet d'avoir de nouvelles idées sur comment approcher les clients, sur comment intégrer de nouvelles idées dans le marché. Donc je trouve vraiment l'initiative de lancer ce club très intéressante. J'invite tout le monde à y participer. Plus il grandit, ça nous permet vraiment de travailler sur le réseautage, le networking. C'est des notions qu'il faut vraiment adopter aujourd'hui pour rester compétitif. Reza Belhamma, président de Carthage Business Angels, membre du board de Wiki Startup. J'ai eu l'occasion de vivre à Silicon Valley, donc cet écosystème, ça fait plaisir de le revivre. J'ai eu la chance de parler à Salim, le président du club. Ça m'a permis de revoir des personnes qui sont très actives dans l'écosystème. Et ça a été un ordre qui m'a été en contact avec une douze al-Gharbi qui est très active, par exemple, dans l'écosystème, l'entrepreneuriat, les accélérateurs. Je trouve des incubateurs. Il y a eu des business angels qui étaient présents. Il y a eu des investisseurs, des VCs et des SICA. Donc ça va nous permettre, dans un
je dirais, un environnement très cool. Bonjour, alors je me présente, je m'appelle Smeri Benmile, je suis entrepreneur, chef d'entreprise. Ça fait quelques fois que je viens au Club Entrepreneur, c'est une super initiative qui permet de networker et de rencontrer des gens pour accélérer son business ou enfin, faire son réseau de manière générale. Donc c'est assez efficace, j'encourage les gens à venir.